Le Samoyed est une race de chien originaire de la Russie européenne et de la Sibérie occidentale. Le Samoyed, chien de taille moyenne à la robe blanche et au sourire reconnaissable, servait de chien de chasse, de chien de traîneau, de chien de berger, de chien de garde au peuple Samoyed de Sibérie. Encore aujourd'hui, cette race de chien amical a besoin d'un contact étroit avec l'homme pour s'épanouir. Le Samoyed en bref, autre nom, Samoyedskaya sabaka, espérance de vie, 12 à 14 ans, poids, 15 à 22 kg pour les femelles, 20 à 30 kg pour les mâles, taille, 50 à 53 cm pour les femelles, 54 à 57 cm pour les mâles, silhouette, élégante, robuste, poils, long, robe, blanche, crème ou blanche et biscuit, caractère, amical, vif, éveillé, origine. Russie septentrionale et Sibérie, type, lupoïde, groupe, 5, chien de type Spitz et de type primitif, section 1. Chien nordique de traîneau. Originaire des régions glaciales du nord de la Russie et de la Sibérie, le Samoyed doit son nom aux tribus du même nom qui vivent dans cette zone marquée par un climat très rude en hiver. Le Samoyed est d'un naturel vif, amical et enjoué. Il est attaché à l'homme et supporte mal la solitude. Son extrême sociabilité en fait un piètre chien de garde. C'est un chien de traîneau qui a besoin de se dépenser au quotidien. C'est également un chien qui a tendance à s'exprimer en aboyant, d'où son surnom, la pintade des neiges. Contrairement aux autres nordiques, les Samoyèdes restent joueurs jusqu'à un âge avancé. Comme tous les chiens de type Spitz, le Samoyed a du caractère, bien que plus doux que certaines races, et nécessite une éducation cohérente, sans laxisme ni violence. La fourrure du Samoyed bien qu'auto-nettoyante, nécessite un brossage régulier, environ deux fois par semaine. En général, les Samoyèdes muent deux fois par an, au printemps et en été. Les poils d'hiver tombent afin de laisser place à des poils plus lisses et plus fins pour l'été. Les femelles stérilisées et les mâles présentent une fourrure plus fournie et non plus d'aussi grosses mues. Certains propriétaires de Samoyèdes font filer le sous-poil très duveteux et réalisent des mailles diverses avec celui-ci. Comme tous les chiens nordiques, le Samoyède a besoin d'un bon apport en vitamines, corps gras et en oligo-éléments. Il est alors possible de lui proposer une nourriture maison, à base de viande, de légumes frais et de riz bien cuit, ou bien d'opter pour des croquettes industrielles, à condition qu'elles soient de haute qualité. N'hésitez pas pour cela à faire le point avec un vétérinaire. Ce régime alimentaire doit également être adapté en fonction de son âge, de son sexe et de son niveau d'activité physique. Cette race peut enfin présenter une légère tendance à l'embonpoint, qui disparaît facilement grâce à des exercices quotidiens et une diète équilibrée. Bien que le Samoyed soit considéré comme une race relativement rustique de par ses caractéristiques morphologiques et l'étude de son génome, très proche du loup, le croisement consanguin d'individus dans le but de créer des lignées hypertypées aboutit souvent à la sélection concomitante d'anomalies génétiques. Ainsi, quelques prédispositions raciales sont bien connues chez le Samoyed. La glomérulopathie familiale, déficience en collagène de type 4 liée au chromosome X, pouvant mener à une insuffisance rénale chronique, l'atrophie rétinienne progressive, liée au chromosome X, le diabète sucré, la dysplasie de la hanche, mauvaise coaptation de l'articulation coxo-fémorale aboutissant à une arthrose, l'adénite sébacée, atteinte dermatologique.
La belle fourrure épaisse du Samoyed nécessite un entretien permanent afin de conserver sa beauté, mais aussi son caractère immaculé. Il est ainsi recommandé de brosser le chien en profondeur et de manière hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire. Cette race perd beaucoup ses poils tout au long de l'année, ce dont il faut avoir conscience si l'on rêve d'un intérieur impeccable en toutes circonstances. Ce phénomène s'accentue ensuite pendant la saison des mues, qui peut se produire une à deux fois dans l'année. La mue du Samoyed est d'ailleurs souvent très impressionnante, formant une montagne de poils. Durant cette période, le brossage doit impérativement devenir quotidien. Un bain peut également être donné à cette occasion, pour éliminer un maximum de poils morts. Il est par ailleurs conseillé d'utiliser un shampoing spécial et adapté aux poils blancs pour laver le Samoyed. Comme pour les autres races, il faut enfin inspecter régulièrement ses yeux et ses oreilles et lui laver les dents afin de prévenir tout risque de maladie ou d'infection. N'hésitez pas à faire appel à un toiletteur canin qui saura vous enseigner les bons gestes pour prendre soin de votre compagnon des neiges. Le Samoyed incarne une race robuste et résistante qui ne tombe que très rarement malade. S'il supporte parfaitement les basses températures grâce à son poil abondant, il n'en est pas de même pour la chaleur. Il s'agira alors de lui proposer un endroit abrité ou climatisé afin qu'il puisse se reposer, et de le ménager lorsque le mercure grimpe. Il n'est d'ailleurs pas fait pour vivre sous toutes les latitudes, le climat méditerranéen n'est par exemple pas du tout adapté pour lui. Il convient ensuite de surveiller son risque de la dysplasie de la hanche, inhérent à sa taille, et de limiter son activité physique durant sa phase de croissance, pas de traction avant l'âge de 15 mois. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.